À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, encore appelée Tabaski 2019, le sermon de l'imam de l'abbé Tierno Mohamedoul Badrouba à la place de la grande prière de Bouloukou a essentiellement porté sur l'importance de perpétuer le sacrifice d'Abraham pour les fidèles musulmans et a rappelé la signification de cette fête. L'événement était rehaussé de la présence remarquable du chef de file de l'opposition guinéenne, Elhaj Mamadou Sédhiou Dalé Ndiallo, et du gouverneur de l'abbé entouré des autorités préfectorales et communales. J'effectue habituellement la prière à Dalin. Je suis aussi de l'abbé, ici c'est le chef-lieu de la préfecture. J'ai ma maison aussi à l'abbé, c'est normal que je partage avec les maisons, avec les musulmans de l'abbé. C'est important. Le président de l'UFDG a mis l'occasion à profit pour rappeler la nature des bonnes relations qu'il a toujours entretenu avec le nouveau gouverneur de la région administrative de l'abbé. Bien évidemment, lui et moi, on se connaît depuis fort longtemps, depuis la première république. Il était un proche ami de mon père lorsqu'il était encore ici, chef de sûreté. Et il a toujours assumé cette amitié. Chaque fois qu'on s'est retrouvés, il n'a pas manqué de rappeler cette amitié et me prodiguer des conseils de grand frère. Lorsqu'il a été nommé ambassadeur à Dakar, je suis arrivé à Dakar et il m'a rendu visite à mon notaire. Il a rappelé les bonnes relations qu'il a eues à l'abbé avec les notables de l'abbé et notamment avec Elhaj Tidiane Dalé. Lorsqu'il a été nommé ministre de la Sécurité, par une surprise, il m'a rendu visite à notre domicile, ce qui n'était pas évident. Cette rencontre religieuse a enregistré une puissante mobilisation populaire.